On est à l'évaluation 4 et c'est la première fois sur notre chemin qu'on a la musique du Rachmaninov pur. C'est pas Chopin, c'est pas Bach, c'est le monde de la musique romantique, violon, puissante. On va regarder ensemble qu'est-ce qui est resté du le thème ici. C'est la seconde. Justement, la fameuse seconde du thème qui monte. C'est ça. Et ici, on voit ça dans la main gauche. Partout, partout, partout. C'est le leitmotiv de cette variation. Et encore renforcé par la main droite qui fait les petites vagues. Peu importe qu'est-ce qu'elle fait pendant la variation, c'est ça, c'est la montée. On voit des liaisons assez grandes pour une mesure, les petits, et après pour tous les deux, double croche. Une grande liaison disparaît, il se transforme dans les vagues, dans les petits. Pour six mesures. Et cette variation, c'est la mer. C'est un tableau de la mer, un tableau comme un film dans le temps. Ça commence assez doucement, on sent que quelque chose va passer, ça monte, ça se disperse dans ces petits, petits liaisons, on monte jusqu'à deux fortés, c'est la culmination de tout ça, et ça se calme et ça disparaît. C'est la tragédie, il est passé ici au milieu. Et on va regarder ensemble un tableau que j'ai dans mon souvenir de mon enfance, c'est le tableau énorme, le tableau de la taille d'un mur entier dans le musée. C'est le tableau d'Aïvazovski. Aïvazovski, c'est le peintre russe de la mer. Et en regardant ce tableau, je vais jouer la main gauche, que c'est six mesures de la culmination. Cette mer frappante, cette mer rougissante, cette mer violon. C'est comme dans ce tableau, il y a le processus. Cette histoire, elle a commencé, on n'y voit pas le début. La tragédie, elle est passée et on voit l'espoir, le soleil qui monte et qui signale que tout ça, ça va passer, ça va se calmer, ça va trouver la résurrection. Et maintenant, c'est la culmination de la main gauche.
Je pense que peut-être il y a même les autres tableaux qui peut-être correspondent un peu mieux dans cette puissance des vagues, de l'eau, avec la variation, peut-être celle-ci. Mais ça, c'est un tableau de Moscou. Et car moi, je suis de Saint-Pétersbourg, et comme enfant, j'étais souvent dans le musée de Saint-Pétersbourg, pour moi, c'est ceux-là, le tableau que je cherchais. En joie, cette variation.